Et bonjour Internet, bonjour les amis, c'est Cass, bienvenue sur Rimworld, on continue l'aventure. Vous êtes sur la colonie de Pigville, la faction Erium, avec mes trois dames qui se sont crachées sur cette planète. On avance tranquillement, vague de froid, ah, un coup de froid inhabituel s'est installé, alors là ça craint, parce que tout simplement, il y a tout qui va geler. Ça craint beaucoup, donc la bouffe, on peut la perdre. J'ai pas de quoi tenir dans le froid sévère. Comme vous pouvez le voir, il fait moins 21 dehors, moins 22. Vague de froid, j'espère que ça n'a pas duré longtemps. Duré 5 heures. Il y a tout qui gèle. On n'a pas de vêtements vraiment chauds. Putain, ça craint là. Alors attention, attention. Vague de froid, duré 7 heures. Ça fait déjà 7 heures qu'il fait froid. Faut pas que ça dure des jours et des jours. Et ce qu'on peut essayer de faire, c'est un générateur à bois. Ça va être compliqué ça. Je vais le mettre là. Je vais mettre un petit sol dalle en béton tout autour. Et on va essayer de se le mettre, le générateur à bois. Le problème, c'est que j'ai pas trop de bois. Et on va chauffer les pièces de vie. On va essayer du moins. C'est tendu là quand même, cette histoire. Là, ça m'a grillé toutes mes récoltes. Je suis deg. Franchement, je suis deg. Quête active, libérer Call. Un prisonnier retenu par les voleurs s'est débrouillé pour voler une radio et vous appelle. Cole est détenu sous bonne garde dans un campement à proximité de Pigville. Et les gardes sont armés. Portez-lui secours et rejoindra votre colonie. C'est un drone de multinational de 55 ans. Il dit que deux tourelles, un mortier et deux pirates défendent ce site. Bon, c'est un peu beaucoup. Cole a des relations avec les colons. C'est le fiancé de Cell. Ah. Ah ouais. C'est où ? On va regarder aussi sur la carte. C'est quand même le fiancé de Cell, c'est pas dégueu. Ça combien en... Comment je sais combien de temps ça fait ça? Je crois que je peux faire un... Il me semble que je pouvais faire un... Ah ça, regardez. De ça à ça. Ça à ça. Durée du trajet un jour. C'est chaud quand même. Hein. Il y a trop de tourelles, il y a trop de prisonniers. Ou alors on part toutes les trois. Ça se tente aussi, hein. On prend le play. Allez, on va tester. Allez, vas-y, on va tester. Allez, soyons fous, on va tester cette quête. Donc, camp de prisonnier, il est là. J'appuie sur former une caravane. Ok. Pour aller ici, au camp de prisonnier. Durée de trajet 1.1. J'accepte. Dans la caravane, on va mettre les trois colons qui sont là. Cell, Cox, Rué, les animaux non. Attends, ça. Les trois là. Jour de nourriture 2. Cueillette par jour des baies. On va quand même prendre le pemmican avec nous. Est-ce que je peux faire ça? Les articles non. Voilà, on va prendre du... Sélectionner automatiquement les provisions. Ah, c'est fait automatiquement. Bon bah, ok, c'est parti. Et on y va. Votre caravane n'a que 2 jours de nourriture. Elle sera rapidement affamée. Hein. Oh non, ça suffira. Allez, on y va. C'est parti. Donc là, on envoie la caravane. Donc là, la caravane est en cours de... hypothermie. Ouais, je sais bien, c'est chaud, mais... Là, les gars... Risque de démence et tout le bordel. Préparez la caravane, les filles. On se barre. Okay. Hypothermie. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Elles sont tous en hypothermie. Ah, le problème, c'est... C'est chaud, quand même. Est-ce qu'on va pas mourir de froid en chemin ? Je sais pas quoi dire. Allez, la caravane, elle est prête à partir. Allez, elles sont parties. Ok, on va avancer le temps. J'espère qu'elles vont tenir le choc de ce voyage. Normalement, on peut faire un repos. Arrêter la caravane pour un moment. Les avantages sont les suivants. Les gens peuvent interagir socialement. La cueillette pour la nourriture est 2 fois plus vite. La visibilité est limitée par 30. Donc là, il y a dodo en pleine nature, en plein froid. Risque de démence, ouais, je sais bien. Alors, au niveau du timer, il est 2h du mat. 3h du mat, ça se régène un peu, mais... Ouais, là, non, là les PV, c'est pas ouf. Hein. Ok, j'ai quelqu'un en sol. Oh, les boules. J'ai quelqu'un en sol. J'ai quelqu'un qui en hypothermie sévère. Maladie, infection, Cox a contracté une maladie, une infection. L'infection est dans le tertus droit. Oh là 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 là, c'est chaud.
Celle évadée n'est plus incapable de marcher. Incapable de marcher. Ok, il y en a qui sont capables de marcher. Slaughter. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attention. Maladie grave hypothermie, maladie grave infection, étranger en noir, détectant des problèmes, mystérieux homme en noir est arrivé. Serait-il capable de régler les choses correctement dans cette région? Allons voir le Slaughter. Bah tout le monde dort de toute façon. Alors j'espère qu'il peut nous aider lui. Slaughter, un homme de 48 ans. Il va nous rejoindre, je pense. Ouais, bah, je crois qu'il nous a plus ou moins rejoint. Où est-ce que sont nos... Ah oui, il est là, là, lui. Ah oui, je sais pas ce qu'il fout. D'accord, je sais pas ce qu'il fout. Ok, j'ai un mec qui est là, mais je sais pas ce qu'il fout. Bon, ça m'aide pas. Elles sont en train de dormir. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Si je perds toute mon équipe là-dessus. Ah, regardez. Tout le monde est au sol. Ça sent les gens qui vont crever, en fait. Alors lui, je peux le mobiliser. Ouais, mais je pense que c'est un mec qui va prendre le relais parce que tout le monde va crever au fait. Équipement. Bon, bah on va attendre, voir ce qui se passe. Mais là, sans maladie grave et en hypothermie. Et là, j'ai que Slaughter qui arrive de nulle part. Qui est un légion dehors la loi. Ah, fait chier. Pompier patient, il peut être médecin, il peut être dresseur, il peut être cuisinier, enfin il peut pas, mais il va falloir qu'il soit. Il peut être constructeur, forgeron, couturier, ah, et ben, il va tout faire. Son planning, bah voilà. Méditer ici. Loisir là. Ah, ça fait chier. Ah là, si je perds toute mon équipe là-dessus. Après, il peut aller les chercher, mais ça sert à rien vu qu'il est tout seul. Ok, je perds tout le monde sur ce move. Je perds tout le monde. Salement, bêtement. La vague de froid est terminée. Est-ce que ça va nous aider? Les colons souffrent d'hypothermie. Assurez-vous que leur manteau est assez chaud. Les colons sont en danger de mort. Alors attention. Critique, caravane immobilisée. L'un de vos caravanes est immobilisée parce qu'elle est trop chargée. Vous pouvez... ouais, j'ai besoin d'un lit. Vous pouvez organiser les funérailles fidèles pour celle. Oh putain. Rôles activés, philosophe, mort de sel, mort de cox. Bah non, bah on va pas faire de cérémonie parce que les cadavres sont loin. Ok. Ok, il reste plus que... Rubert, qui va mourir de froid. Ah, le problème c'est qu'on a... voilà. Tout le monde est mort de froid, la caravane est détruite. Tout le monde est mort de froid. Ah là là, là c'est terrible. Changement d'idéologie principale. Et voilà, ben notre idéologie est finie. On est passé de l'idéologie de fidélisme, mais on n'en a plus aucun qui sont des fidélistes, à Légion de hors-la-loi. Cela se produit parce que la Légion de hors-la-loi est maintenant plus répandue parmi vos colons. Votre idéologie principale affecte votre réputation pour de faction. Ah vache. Ok. On a donc changé de religion avec tout ça. Regarde un petit peu. Idéo-Légion. Donc on est la Légion des hors-la-loi, juste justicier. Alors, suprémaciste, notre peuple devrait dominer tous les autres. Pilleur, le fort doit voler aux faibles. Ok. Bon. Et ben voilà, on n'a plus qu'un seul personnage. Alors, je vous avais dit que le jeu est plutôt cool. Comme il a vu que je perdais tout le monde, il m'a fait venir un autre personnage ici. Bon, bah j'ai plus qu'un bonhomme. Ça va être très compliqué. Parce que là, pour tout faire tout seul, ça va être ultra dur. Il va falloir qu'on arrive à rencontrer d'autres personnes. Alors, on va pas faire la même bêtise, on va pas partir. Ouais, non. Si lui il part tout seul attaquer le camp où il y a le prisonnier, il va mourir. Bah on va faire au mieux. On va accélérer le temps. Et on va voir s'il arrive à s'en sortir tout seul. Slaughter. Alors il a toutes les compétences normalement pour pouvoir se nourrir tout seul. Faudra que je chasse une petite porte ici. Bon. Et bah ça fait mal aux fesses d'avoir perdu autant de monde d'un coup.
pas une clôture que je veux, c'est un portail. Voilà. Va falloir. Ok, il est en train de me terminer ça, c'est parfait. Va falloir se faire des vêtements chauds. Ça, on a compris. Capture, on a compris. Alors, quel est son profil à cet homme-là? La légende hors la loi. Aucun rôle, on peut lui mettre un rôle. Non. Bio, 48 ans, Erium, légende hors la loi. Très bon en tir, très bon en minage. Enfant des cavernes, ouvrier des carrières, en homme taupe. Ok. Colombor x3, dortoir terne, a dormi dans le froid, dans le noir, etc. Ok, ça c'est quasiment fait. Mon gars, va falloir cuisiner à un moment donné. Mais j'ai pas grand chose à cuisiner. Il médite. Il va aller dodo. Putain, j'ai plus qu'un seul personnage, ça fait vraiment mal. Ah là là là. Là, il va me terminer le toit. On va voir si on peut créer des trucs bien chauds. Alors, ce qu'il faut, c'est un bonnet. Ok, il va falloir ensuite il a déjà un truc, il a déjà un bonnet en fait. Je suis en train de m'emmerder là. Mais ça sert à rien vu qu'il a déjà un bonnet. Quel est son équipement matériel? Bonnet, chemise, pare-balles, parka, pantalon. Ouais bon, il est déjà équipé pour le froid en fait. Ce qu'il va falloir faire surtout, c'est ça. La création de générateur à bois. Pour pouvoir le chauffer à l'intérieur de la maison. Est-ce qu'il est apte à faire de la culture, cet homme-là? Plus ou moins. Ouais, la cuisine, il est pas bon. Le risque avec quelqu'un qui a des mauvais points en cuisine, c'est... Alors, risque de démence. Quels sont les besoins? Il veut fumer. Sevrage du smoke leaf. Ah oui, ok, il est en sevrage et ça se passe mal. Le risque d'être tout seul, c'est ça, quoi. C'est qu'il est pas bon partout. Si il cuisine un truc qui est mal fait et qui s'empoisonne tout seul, c'en est fini. Mais ça serait dommage de perdre tout de suite notre colonie. C'est déjà qu'on vient de perdre 3 personnes d'un coup. D'ailleurs, leur cadavre, on pourra jamais les retrouver, hein, ils sont par là. Enfin, si, on pourra les retrouver, hein, si on se promène par là un jour, on pourra retrouver leur cadavre. Ok, il se fait quand même à manger tout seul. Apparemment. Il a pris du riz, il a pris des baies. Voyons un petit peu s'il arrive à faire quelque chose. Faudra que je me mette une petite étagère pour stocker la bouffe. Ça serait tellement plus simple. Donc, petite étagère. Même étagère en métal, je vais la mettre ici. Et là, on va stocker nourriture. J'efface. Nourriture, aliments, ça sera que les plats. Voilà, là, on stocke tout ce qui est plat. Comme ça, on a à disposition tout ce qui est plat. Bon. Prochaine étape. Gros dodo, construction de ce générateur à bois. J'espère qu'on va bientôt... avoir l'occasion de retrouver, de rencontrer des gens qui pourront rejoindre la colonie. Parce que tout seul, ça va être galère. Il y a tout qu'à geler. Fibre de bois. Il n'y a rien qui pousse. Il ne peut pas pousser. Il y a tout qu'à geler, rien qui pousse. Allez mon gars. Tu me construis le générateur vite fait. Enclos non clôturé. Ah oui. L'enclos est pas clôturé. Il va falloir que tu me clôtures ça, mon vieux. Donc il faut encore du bois. Risque de démence. Toujours. Ordre. Couper du bois. Putain, il n'y a pas de bois tout près. Hein. C'est l'horreur. Voilà. Ça, il manque des trucs. Acier 100, composants 0 sur 2. Ah, j'ai pas de composants. Zut. Ah, la loose. Alors, où est-ce que j'ai des composants? Je pense que les composants, je peux les démonter sur tout ce qu'il y a. Sur ça. Débris de vaisseau.
démolir. Et là-dedans, on va récupérer des composants qui me permettront de construire ce truc-là. Regardons. Alors, je surveille ce qu'il fait. Ça prend du temps, hein. Acier composant. Voilà, ça c'est bon. Et comme ça, il va pouvoir me ramener le composant. Et on peut mettre ça en priorité ou pas? Je pense que oui. Alors, on va lui prioriser ce truc-là. Ah, il est toujours en risque de démence, ça c'est l'angoisse. Hein. Risque de démence majeure. Mineur. Médite. Bon, bah les amis, on va faire ce qu'on peut. C'est quand même un moment critique dans notre colonie. À voir ce que ça donne au prochain épisode.